Évidemment, de par la voix des responsables d'ici, puisque comme on aime à le dire, quand la tête est là, le jeu ne prend pas du tout le chapeau. Je vais donc laisser la latitude à la représentante de la directrice de la pouponnière de vous souhaiter la kwaba traditionnelle en son sein, en leur sein, l'espace qu'ils nous reçoivent aujourd'hui. Madame. Monsieur le Président Général de la Radio Amitié et la délégation qui l'accompagne, Madame la Présidente de la Fondation Dadi Shekina, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour cette visite, et ce geste de générosité en faveur de nos pensionnaires. La pouponnière de Yopougon Atier est un don de la Lonasie et a été créée en 1977. Elle a ouvert ses portes le 20 novembre 1978. Elle a une superficie de 11 600 m² avec une capacité d'accueil de 100 enfants. Cette structure étatique à caractère social qui accueille et prend en charge avec hébergement des enfants de 0 à 5 ans, lorsque leur santé, leur sécurité ou leur éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de l'incapacité de leur père ou de leur mère ou de la personne investie du droit de garde. Les enfants sont orphelins de mère et ou de père abandonnés. Leurs mères sont mortes en couche, incarcérées ou internées dans une maison psychiatrique. Ces enfants sont victimes de discriminations culturelles et culturelles. La pouponnière de Yopougon Atier a pour mission d'offrir un accueil et une prise en charge holistique de qualité, prise en charge éducative, sanitaire, physique et psychique. Une prise en charge psychosociale et abri, conformément aux besoins et à l'intérêt supérieur de l'enfant, selon les normes et standards nationaux. Pour mener à bien cette mission, la pouponnière de Yopougon Atier dispose d'un personnel qualifié et suffisant, composé de 8 agents de l'État, 31 fonctionnaires, dont des éducateurs préscolaires, des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des maîtres d'éducation et maîtres d'éducation permanente, de médecins et d'infirmiers, 33 contractuels, dont les membres. La pouponnière de Yopougon Atier compte à ce jour 78 enfants, dont 26 filles et 52 garçons. L'âge de nos pensionnaires est compris entre 0 à 43 ans. Parmi eux, nous avons 41 en situation d'handicap de toutes sortes. Je tiens donc à remercier la radio Amitié qui
qui a bien voulu choisir la première de l'équipe coopérative pour faire leur don. Aussi au partenaire qui a bien voulu s'associer à la radio Amitié pour faire ce geste. Ces dons contribueront à combler réellement les besoins qui soulageront nos pensionnaires. Merci à vous et à vos partenaires. Que Dieu bénisse toutes vos actions. Je vous remercie. Ici, elle a aussi indiqué plus ou moins le geste qui est fait ici et puis remercier les différents partenaires au-delà de la radio Amitié. Mais en même temps, vous dit qu'il s'agit de dons faits à la pouponnière par le biais de la radio Amitié. C'est une volonté de la radio qui a associé la fondation Radio Shekinah, qui est représentée au plus haut niveau ici. Il y aura aussi son intervention au cours donc de cet échange que nous avons, ce lieu qui nous reçoit ici. Donc cela dit, on va maintenant écouter celui de par qui est venu tout cela, c'est le directeur général de la radio Amitié, M. Barry Abdoul Kader, pour son intervention. Elle existe depuis 2018, ça fait 20 ans. 20 ans, le thème des 20 ans, c'est partage et merci à l'endroit de la population de l'Outre-Mer. Et cette population-là, elle nous a aidés. Elle nous a suivi pendant ces 20 ans. Donc nous, notre groupe, on aimerait partager des moments pour vivre avec eux. Donc nous avons décidé de faire ce don-là à la pouponnière de Boucoubon. Donc comme nous sommes limités dans les moyens, nous avons associé certains partenaires qui ont produit présent à la Fondation d'Anne Chépinard qui a produit présent. Vraiment, merci madame. Mais ça, ce n'est qu'un premier pas de notre programme de facilité. Le mois d'octobre, on compte faire encore un don aux veuves de la commune et aux enfants orphelins du sida. Dans le mois de novembre, décembre, nous allons sillonner les différents quartiers de Boucoubon pour faire des dons. Donc, par ce canal-là, madame la fondatrice est là, nous allons vous solliciter encore pour ce don. Vraiment, merci. Et je vous présente mes collaborateurs. C'est M. Tancien Marcel, directeur de programme à Radio Amitié. Stéphanie Aké, responsable marketing. Barry Mayemouna, caissière. Et journaliste Maïs. Donc, madame la présidente, vraiment merci de nous avoir reçus. Et par votre bien, je voudrais vous remercier aussi la présidente de la fondation. Merci. Monsieur. Évidemment, des courriers de demande d'aide de sponsoring ont été lancés à l'endroit de plusieurs partenaires. La fondation qui a répondu tout de suite favorablement, mais en un temps record d'ailleurs, c'est celle qui est présente et qu'on voit aujourd'hui. C'est la fondation d'Adi Shekinah qui est représentée, comme je l'ai dit, vraiment au plus haut niveau de par sa présidente qui est là. Je vais laisser donc la latitude à madame la présidente de la fondation d'Adi Shekinah. Elle va s'exprimer, on puisse l'entendre. De la radio Amitié, mesdames et messieurs responsables de la pouponnière de Boucoubon, très chers invités, je voudrais au nom de la fondation d'Adi Shekinah et de son fondateur, le bishop d'Adi Shekinah, vous saluer pour votre présence à cette cérémonie de remise de dons. Le bishop d'Adi Shekinah et moi sommes très touchés par le choix qui s'est porté sur notre fondation en vue de s'associer à cette œuvre sociale. Je remercie toute l'équipe de la radio Amitié et les encourage dans cette belle initiative. La Bible dit « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à s'occuper des orphelins et d'assister les veuves dans leur affliction. » Mesdames et messieurs, très chers invités, les enfants de la pouponnière sont nos enfants. Ils ont besoin de nous, de notre amour et de notre assistance. C'est pourquoi la fondation d'Adi Shekinah, en qualité de partenaire, apporte à nos enfants de la pouponnière des dons en vivres et un don en espèces. Merci encore pour votre attention particulière. Que Dieu bénisse la radio Amitié, initiatrice plutôt de cette œuvre caritative. Que Dieu bénisse le personnel de la pouponnière afin qu'il continue ce merveilleux travail auprès de ses enfants. Que Dieu continue d'assister les enfants de la pouponnière. Je vous remercie. Le
voudrais aussi remercier l'un de nos partenaires, Arc-en-Ciel TV, qui est là avec son directeur général, M. Martial. Voilà, on va aussi au Vassonné. Nous permettra d'avoir des vues sur les réseaux sociaux. La présidente de la fondation d'Ali Chekina, c'est le t-shirt de la radio Amitié. Je me nomme Conan Marie Chekina, l'épouse du bishop d'Adi Chekina, la présidente de la fondation d'Adi Chekina. Je suis là ce matin pour représenter mon époux, qui est le fondateur de la fondation, bien évidemment, afin de parrainer, afin d'assister et d'être un partenaire pour la radio Amitié qui fête ses 20 ans à l'égard de cette action pour les enfants de la pouponnière de Yokougon. La fondation d'Adi Chekina est portée sur la charité. Et ça nous a touché le fait que la radio Amitié nous contacte. Bien évidemment, c'était dans un laps de temps, on ne s'y attendait pas, mais par la grâce de Dieu, on a répondu présent. Et c'est tout ce qu'on peut faire pour aider ces enfants qui sont orphelins de père, d'autres orphelins de mère, ces enfants qui n'ont pas de parents. Et je profite pour dire merci également à tout le personnel de la pouponnière de Yokougon de s'occuper de ces enfants comme si c'était les leurs. Nous sommes très très content d'être ici ce matin avec vous et c'est un réel plaisir pour nous d'être ici et par la grâce de Dieu nous pourrons dire que ce n'est qu'un tout petit pas que nous sommes en train de faire à l'égard des enfants de la pouponnière de Yokougon. Par la grâce de Dieu nous viendrons encore une prochaine fois, nous reviendrons, nous serons ici encore pour d'autres dons en espèces et en nature. Vraiment que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur bénisse encore la radio Amitié qui a bien voulu nous associer à cette œuvre caritative. Je vous remercie.